Ce cours s'adresse aux stagiaires de deuxième année, le module est Histoire du cinéma. La leçon d'aujourd'hui s'intitule Le cinéma et ses genres. Et on va se contenter d'une introduction. Pour définir les genres, en principe, il n'existe pas de définition générale ni globale concernant les genres de cinéma. Un genre de cinéma est une catégorie empirique qui sert d'abord à nommer, classer ou distinguer. Distinguer quoi ? Les œuvres filmiques contenant un même ensemble d'éléments sémantiques et une structure narrative commune. On peut se contenter un petit peu de cette définition. Cependant, les genres ne sont pas fixes. Ils ne cessent d'évoluer, de s'éteindre, de se ressusciter, et ce, en fonction du contexte socio-économique et spatio-temporel. On va essayer de définir un petit peu les catégories de films. Au niveau des catégories de films, on retrouve le film de fiction, le film documentaire, le film d'animation, et aussi, on ajoute le film expérimental, sachant que le film expérimental est une expérience et des cas assez rares. Si on doit définir les principaux genres, on peut citer d'abord le polar, qui a plusieurs appellations. On l'appelle également le thriller, le film noir ou le film policier. Mais l'existence de policiers n'est pas toujours obligatoire. Le film noir, on l'appelle le film noir parce que les séquences, les crimes se passent surtout la nuit et les séquences de nuit sont prépondérantes dans le film. On passe à une deuxième catégorie et il s'agit de la comédie qui porte plusieurs noms comme le film qu'on appelle aussi le film comique, le burlesque ou parfois la comédie satirique. Le troisième genre est le film historique, où parfois on retrouve des sous-genres, comme le peplum. Par exemple, le gladiator est du genre peplum. On l'appelle parfois le film de cape et d'épée. Et ça nécessite la présence de chevaliers, par exemple. Il y a une quatrième catégorie qui concerne le film musical, avec ce type de film musical qu'on appelle la comédie musicale. Au niveau du cinquième type de film ou genre, on retrouve le film romantique avec ses différentes appellations. Parfois, on l'appelle la romance ou le film avec ses sous-genres comme le film érotique, le film porno. Tout cela relève du film ou plutôt du genre romantique. Comme il existe le western avec ses différentes ramifications. On retrouve parfois le film américain, western américain, le western européen, le western crépusculaire. Tout ceci constitue le genre western. Dans la suite, on retrouve le film fantastique. Le film fantastique, ils sont de plusieurs catégories, comme on retrouve le film de science-fiction. Le film de science-fiction relève d'une catégorie générale qui s'appelle le film fantastique. Il y a également le film d'horreur et d'épouvante. Ça, c'est un genre à part, avec tout ce qui fait peur, par exemple. Le film dramatique, on l'appelle parfois le film le mélodrame. Il y a des cinématographies spécialisées dans le mélodrame, comme le cinéma hindou, par exemple. Il y a également les films d'action, les films d'arts martiaux et le film karaté. Tout cela constitue un genre qui a émergé dans les années 70 et qui continue à exister jusqu'à maintenant. On retrouve également le film d'aventure avec ce sous-genre qui est le road movie. Au niveau du road movie, comme au niveau du film d'aventure, la multiplication des lieux est nécessaire. Il y a un genre qui est apparu aussi dans les années 70 et qu'on appelle le film catastrophe. Et c'est un genre qui continue d'exister jusqu'à aujourd'hui et c'est un genre assez prisé. Il y a le film de guerre
Et ceci est lié plutôt à la thématique abordée par le film. Comme le film biographique ou autobiographique, c'est-à-dire quand un film s'intéresse, le sujet d'un film s'intéresse à une personne. Mais il y a aussi des remarques générales qui consistent parfois à dire que les frontières n'existent pas de frontières entre les genres. On peut retrouver, par exemple, un film qui conjugue plusieurs genres. C'est un western, mais c'est une comédie également. Ça peut être un film de guerre, mais aussi un film comique. Comme La Grande Vadrouille, par exemple, c'est un film de guerre, mais c'est une comédie. Mais parallèlement à tout ça, on peut trouver d'autres genres qui sont... pas tout à fait principaux, comme le film animalier. Et c'est lié, par exemple, au sujet que traite le film. On retrouve parfois le film marin, tous les films dont le sujet se passe, par exemple, dans les océans. Et comme on peut retrouver le film, un autre genre, qui est le film sportif. Et ceci est lié un petit peu à la thématique du film. Voilà par le nom pour cette leçon et à la leçon prochaine. Merci.